Bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et on va lancer sur une nouvelle vidéo sur Infinite Light. Donc j'ai déjà fait des vidéos dessus. C'était sur ma toute première chaîne Digella. J'avais déjà fait des vidéos dessus. Aujourd'hui on va prendre un A3. Attends. Mon chat, excusez-moi pour l'intervention de mon chat. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'Infinite Light. Et on va prendre allez, pour faire plaisir, un petit Air France. Et on va décoller de Paris, Charles de Gaulle. Sur V5, donc tarmac V5, voilà. Donc c'est parti. Donc moi j'ai pas mal de projets. On est remonté à 72 abonnés, donc ce qui est déjà pas mal. Donc encore une fois, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour le futur nom. Avec un pote et allez voir sa vidéo sur sa chaîne, c'est Lolman Killer que je vous mettrai dans la description. Et puis voilà, donc mettez le nom de la prochaine chaîne YouTube qu'on fera tous les deux. Et puis voilà, ça sera toujours très intéressant. Et on commence avec la 320. Voilà, donc de chez Air France. Donc là, on va faire pushback. Pushback en prenant sur bouton. On peut pas regarder en arrière, ce qui est vraiment dommage. Bon, faites-moi faire pushback. Voilà, comme ça, tout va bien. Donc pour filmer mes vidéos, j'utilise Azen Screen Recorder, et pour faire les montages j'utilise Viva Video Pro Edition. Voilà. On attend, attendez, on va peut-être modifier le poids, on va pas me prendre de passenger. Ah non, il n'y a pas de passenger, c'est parfait. Fuel, on va mettre au taquet. Cargo, non. Donc c'est parti. J'attends que ça dépush back, comme on dit. Donc attention là. Donc Infinite Light, très bon jeu. Que je recommande. Parce que c'est pour ceux qui aiment bien. Que je recommande pour les passionnés d'aviation. C'est un jeu vraiment. Pas vraiment tous les détails, mais sur un smartphone ou une tablette, c'est vraiment déjà pas mal. Je vous assure, donc là on va prendre sortie, tu stop, je sais pas, là je me suis mal mis là. Oh oui, je me suis mal mis, excusez-moi. Prendre sur, attends, on va prendre la piste, on va prendre celle-là. On va prendre, attendez, je vais voir, j'ai juste ma lignée, je vais voir laquelle piste je vais prendre. C'est sûr que je vais en haut parce que sinon je vais retourner dans les. Donc je vais prendre la piste. Je vais prendre la piste. La piste 9. Oui, je vais prendre la piste 9 gauche. C'est parti. Voilà. Allez, piste 9 gauche, c'est parti. Prendre la gauche, c'est parti. Tac. Voilà. Et height. On met le heading un peu des fois pour faire passer le temps, parce que sinon faire comme ça à chaque fois. Ah, attendez, bon, je vais faire ça sur la piste ou sur le point d'arrêt. Je vais faire ça sur le point d'arrêt. Donc ça sera, je pense, un point d'arrêt Bravo ou Tango, ça dépend. Donc on va prendre direct là-bas. On va prendre son drap là-bas.
On va prendre le heading, tac, pour aller plus vite. À la base, je sais que j'ai pas le droit. C'est tous les amis passionnés de... Attends, on va s'arrêter là, tac. Je suis concentré parce que faut savoir où je vais. Je me suis arrêté au cas où parce que je suis pas prioritaire. Donc faut que je tourne à gauche. Voilà. Attendez, juste voir 2 secondes vite. Parce que là, on reprendra. Gauche. Ouh là là, ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ouh là là, déstabilisation de l'appareil. J'allais sortir, j'allais rentrer les trains, moi. Oh là là, ça va pas bien. Hein. Gauche. Après, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ce jeu. Je crois que la dernière fois, c'était le 7 avril. Ouais, un bon 7 avril que c'était que j'avais fait une vidéo, atterrissage, décollage. La nombre à heure nord, sur la compagnie Norway. Voilà, on va s'arrêter voir quel point c'est. Tac. Peut-être pas pouvoir voir, mais bon. On va descendre à 20 nœuds. Faire un bon virage. Tac. Et le point bravo, qui est là. Tac. Bravo ou Tango. Je sais même pas quelle pensée. Il devrait mettre les plaquettes pour. Et faire Ivao sur ce jeu. Ça serait énormément bien de faire Ivao sur ce jeu. Donc on va tester si les spoilers, les flaps et tout ce qui est mécanique marche. Donc c'est parti. Flaps. Flaps 1 qui marche. On va faire direct full. Si ça fait full. Si c'est symétrique, c'est bon, remonter les volets, c'est bon, il marche. Spoiler, tac, tac, et tac. Mécanique, on va voir si ça marche. Beacons. Marche plus. Attends, on va tout enlever. Navigation light. Voilà. Landing. Ils sont là, les landings. Voilà, c'est bon. On peut les mettre. Beacons, c'est au-dessus. Donc, il marche. Les trucs rouges. Et strobe. Voilà, bon, on en a pas besoin. C'est parti. Décollage, j'espère. Demande de décollage pour. Non, je rigole. Non, mais sur un jeu, je fais. Sur un jeu qui s'appelle le Iva ou Ivac. Où j'ai pour rôle sur. Je sais pas si vous connaissez le jeu FSX, Flight Simulator X. J'ai pour rôle de faire atterrir. Enfin, de faire atterrir les avions. Donc, approche. Je vais plutôt vers Lille. C'est un jeu où tu fais atterrir, enfin, t'es la tour de contrôle. Enfin, t'as plusieurs rôles de tour de contrôle. Moi j'ai pour rôle de faire l'approche. Je suis AS3. J'ai pour rôle de faire atterrir les avions. C'est un jeu vraiment bien. C'est Ivac sur le site ivao.fr. Donc c'est pour ceux. Ils sont passionnés d'aviation, encore une fois, je vous recommande ce jeu. Attendez, faut que je m'aligne quand même. Je suis un peu enrhumé, oui. Excusez-moi, je renifle un peu. Je sniffe pas. Hein.
rassure. Donc si c'est pas déjà fait, lâchez un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. C'est parti. Si on allait se retrouver sur la TC, bien sûr. Pas voir hein, ce que là. Non, non, on va pas voir. Ah si, je te vois. Ah si. On sait, on est là. Tac. On est là. Je décolle là. Hein. Là, je décolle direct. Ouf, un peu trop de pied dans la face. Désolé. Tac, speed. On va prendre de la vitesse. Tac, 1000, 2000, 3000, 5000. Non, 5000 pour l'instant. 5000. Toc, toc, toc. Ils veulent pas le. Pourquoi il n'y a pas 6000? Pourquoi il n'y a pas 5000? Ah. Voilà. Donc là, on met les gaz à fond. Hein. Ils sont même pas à fond. On enlève 1100, on enlève, on rentre les trains. Voilà. Et puis on se retrouve pour une approche sur Charles de Gaulle. Et voilà. Donc on va faire une approche sur Charles de Gaulle. Charte finale. Finale charte. Non, 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 trop petit, trop petit, trop petit, trop petit. J'ai dit, c'est une piste trop petite pour moi. Donc, on va refaire. Même si ça risque d'être un peu difficile, on va tester une approche sur ce truc. Sur ce truc qui ressemble à rien. Voilà, j'étais sûr. Punaise, ça va pas être très, très, très facile. LFPB, c'est quoi LFPB? LFPP, ah oui, c'est comment ça s'appelle? Voilà. Ouais, ça va, ça va, ça. Ouais. C'était pas très critique quand même. Vous pouvez dire bravo à moi parce que j'ai atterri sur LFPP. Donc je ne sais pas le nom. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Oh, qu'est-ce que je dis? Salut les amis pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu si c'est pas. Si c'est. Bon, j'ai envie de vous dire quelque chose. C'est le matin. Je suis fatigué. Voilà. Donc, lâchez un gros pouce bleu et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis. Vous avez vu, ça l'a fait là. Bon bah salut. Et la scène.